Mandalourien, je suis Monsieur Mandal et j'ai l'honneur d'être accompagné de notre cher rédacteur en chef Space Cowboy BE ce soir. Bonsoir Space. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous, hein, comme on dit dans le jargon du cyclisme. Voilà, donc bonsoir, vous êtes sur prestart.be. Et bah, ce soir, on a décidé de revenir, ça fait un petit moment qu'on en parlait d'ailleurs, sur une série de Sega. Évidemment, qui dit Space Cowboy, il dit Sega, de toute façon. Une illustre série. Et donc, l'illustre série, tout à fait, de Streets of Rage, aka Bare Knuckles, au Japon. Et bah, donc, on va en profiter, en fait, pour... redécouvrir, bon, momentanément, bien entendu, on n'a pas, enfin, quoique, on ne sait pas, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, on n'est pas là pour speedrunner les jeux, on est juste là pour revenir sur les trois opus de la trilogie, alors que Street of Rage 4 arrive bientôt, le jeu de Dotemu qui a l'air très très chouette quand même. Ah, moi j'ai envie, là, j'ai envie. J'ai eu l'occasion d'y jouer à la Gamescom, allez-y, hein, c'est de la bonne. Ouais, tes impressions, tiens. Ah ouais, c'était excellent. Tu pourras... Bah, c'est toujours un peu difficile parce que tu parles avec les développeurs, donc t'es déjà un peu plus chaud aussi. Mm-hmm. Mais on a joué quand même avec la manette, il n'y a pas de problème, c'est du Street of Rage. C'est génial, comme ça tu vas pouvoir un petit peu nous faire part de ce feedback ici, peut-être comparativement, en revenant sur les précédents opus de la série. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus moderne que le 1, dans le 2 et avec quelques ajouts du 3 aussi. Donc. Parce qu'effectivement, nous allons commencer par Streets of Rage 1, ce qui me paraît être le plus logique. Donc Streets of Rage 1 qui est sorti en... Un petit peu de spectacle, Street of Rage 1, bien entendu. Voilà. Sorti en 1991, si ma mémoire est bonne. C'est ça, ouais. Voilà, sorti en 1991, donc sur Mega Drive, développé par Sega en interne. Et c'est un beat'em all qu'on va commencer à parcourir. Beat'em all ou beat'em up, hein, faites-vous votre petit choix chez vous. Ah, attends. Voilà, normalement ça doit aller maintenant. Voilà, c'est parti, deux players. Je propose qu'on ne chipote pas au réglage, hein, on y va d'entrée de jeu. Allez, deux players. Je te laisse choisir ton personnage en premier. Par hasard, je vais prendre Blaze. Allez. Tu prends Blaze, et ben, je prends Axel. Et pour aller loin dans l'authenticité, on joue avec des manettes de Mega Drive Mini. Hein, effectivement, donc ici, pour les raisons du stream... Et pour la facilité technique, nous jouons en émulation, mais comme vous avez vu, nous avons les jeux, nous avons les manettes. On est légal. J'aurais pas dû aller en Chine. On a fait une copie de sauvegarde. Voilà, exactement. Et donc, bah, Street of Rage, un gameplay assez simple, hein, mine de rien. On a un bouton pour sauter, un bouton pour frapper. On peut faire des attaques de l'autre, derrière son personnage, en appuyant sur le bouton de saut et de coup en même temps. Il y a les attaques sautées. Et un troisième bouton qu'on va éviter de vous montrer pour le moment. Vous verrez quand l'écran sera un petit peu chargé ou qu'on sera embêté face à un combat de boss, qui permet, un peu à la manière d'un Golden Axe, de nettoyer l'écran en utilisant une super, une Fury. Il y avait un truc très marrant qu'ils avaient fait, je crois que c'est sur Fury Compile Mega Drive, sur PlayStation 3 et Xbox 360, il y avait des succès forcément. Et si tu commençais le jeu, en appuyant ce que tout le monde fait quand tu connais pas le jeu, sur A d'abord, t'avais le succès, c'est quoi encore les boutons et trucs comme ça. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça nous est tous arrivé. En découvrant Street of Rage, c'est pas... Attends, je vais la prendre. J'aurais dû prendre Adam pour prendre la pomme. Ah oui, oui, c'est pas dans la gueule, la subtilité, c'est pas ça. Hein. Ouais, alors toi, Street of Rage, ça date de quand t'as découvert avec le jeu? Alors, je me souviens que Street of Rage, c'est un jeu que j'ai découvert à l'époque de la Mega Drive. Je pense que le jeu avait déjà au moins un ou deux ans au compteur, étant donné que je l'ai découvert chez un oncle qui avait la console, vu que moi je n'avais à l'époque qu'une NES, et il avait une cartouche qui contenait et Golden Axe et Street of Rage, en fait. Ça, c'est la classe. Si je me souviens bien, un troisième jeu, mais impossible de me souvenir quel était. Peut-être un seul jeu de foot. Ce troisième, c'est bien possible. Oh, excuse-moi, c'est vrai que le Friendly Fire, enfin le...
Il y a moyen de se faire mal entre nous, et ce n'est pas le but ici. Mais donc voilà, j'ai découvert Street of Rage via cette compile. Je connaissais déjà Golden Axe parce que j'avais eu la chance de pouvoir y jouer en arcade, figure-toi, sur une borne qui était dans un supermarché ici à Jeudogne à l'époque. Donc, à mon avis, les plus jeunes, ils entendent quoi, des bornes dans les supermarchés, mais ouais, c'était le bon vieux temps. Je pense que j'en ai plus besoin que toi, malheureusement. Merci, merci. Et donc, comme je connaissais déjà Golden Axe, bah, du coup, même si j'ai évidemment rejoué à Golden Axe quand j'ai trouvé cette cartouche chez mon oncle, mais je me suis surtout empressé de découvrir Street of Rage. Et, comme tu disais, effectivement, directement, bim, ah cool, une voiture de flic et tout, et ah ok, donc en gros, j'ai cramé quelque chose d'intéressant. Mais voilà, la musique, la musique, ouais, c'est vrai, on va parler beaucoup, donc vous l'entendrez pas, mais je suppose que vous la connaissez. Hein. Composé par Yuzo Koshiro, voilà. Qui nous a d'ailleurs composé le thème des menus de la Mega Drive Mini. C'est vrai. Sur laquelle on retrouve Streets of Rage 2. Et qu'on va retrouver sur le 4 aussi. Je vais pas savoir dire les noms parce que j'aime pas. Voilà. J'ai souvent trop de mémoire pour les noms, mais il y a le compositeur de Jetson Radio aussi. Ouh. La compositrice ça promet, ça. Prends-le. De Street Fighter 2. Et un quatrième grand nom que je vais dire. Yoko Shimomura. Voilà, c'est ça. Ah purée, je savais même pas qu'elle était sur le projet. C'est vraiment une Dream Team. Quoi. Ah oui, complètement. Quatrième, j'ai oublié, mais c'est aussi de ce niveau-là. Donc ça va le faire. Oui, c'est un jeu que j'attends quand même avec impatience. Et je vais être sincère avec toi, c'est même un jeu que je me demande si je ne me le prendrais pas sur PC pour faire un peu comme on est en train de faire là maintenant, profiter de la connectique USB des manettes Mega Drive, en espérant qu'il soit jouable en 3 boutons, bien sûr, hein, mais pour un petit peu prolonger le délire de l'expérience. Mais je suis pas sûr que je t'ai tué, ça doit être un truc. Est-ce qu'on ferait pas un petit appel à la police? Allez, 911! Ouais, surtout que là, je suis quasiment chiné. Voilà. Ah là là! Ah, si vous connaissez pas, il faut savoir, et c'est assez rare dans les jeux vidéo, que les policiers sont vos copains. On était d'anciens collègues, ça se voit un peu moins à l'écran maintenant, on a pris un peu le côté rogue. Quoi. Ouais, effectivement. Donc la police est de notre côté. Et donc, Mais dis donc, je vois sur ma montre invisible qu'il est des démons du midi. Oui, ça, si vous suivez le podcast, évidemment, des démons du midi, c'est là où vous la connaissez. Le générique d'ouverture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vu que Street of Rage, j'y ai joué à l'époque chez mon oncle, mais après, je n'avais personnellement pas le jeu une fois que j'ai eu la Mega Drive. D'ailleurs, c'est assez récent, mon achat de Street of Rage. Le thème d'intro des démons du midi me rappelait quelque chose, j'arrivais pas à remettre le doigt dessus. Et j'ai complètement halluciné quand j'ai rejoué à Street of Rage, il y a 3-4 ans, et que j'ai reconnu le générique, donc. C'est un incroyable thème, et on va en reparler après, surtout avec le 3, mais là, tu vois, il y a quand même, on en parlait avant l'antenne, quoi, disons. Mm-hmm. Il y a quand même une touche funky qui est présente dans celui-là. Ici, on est clairement dans des bonnes basses bien groovy. Alors, ce qu'on peut faire peut-être aussi, c'est parler un peu de l'historique du jeu, non? Enfin, de son contexte. Je t'en prie, vas-y. Bah donc Sega, c'est quand même pas non plus une clinche du... On va dire beat'em up, hein, pour être un peu pour les clés. C'est pas une clinche du beat'em up, parce que comme tu le dis, Sega en arcade, il a connu aussi quelques belles gloires avec ce genre-là. On n'aime pas actuellement, mais bon, à l'époque, c'était Golden Axe. Et quelque part, Altered Beast, effectivement. Altered Beast, c'est quelque chose qui fait un peu partie de la licence Golden Axe. Hein. Au final, quand tu vois, vrai. Certains ennemis sont communs. Et, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de recyclage, je sais pas si c'est vraiment. Bon, en tout cas, je trouve que ça donne une filiation assez sympathique aux deux séries. Quoi. Enfin, au jeu et à la série, vu que, mis à part un horrible portage / remake sur Game Boy Advance, Altered Beast, je pense pas qu'il y a eu d'autres jeux. Il y a un épisode tout aussi nul sur PS2, je crois, cette génération-là. D'accord. Qui est complètement
souvent nul. Là, c'est pas non plus un beat'em. Un peu comme. Et alors, dans ces deux jeux-là, ils sortent. Décidément, tu gères. Moi, je perds toute ma vie. Ouais, mais... Je sais pas. Alors que tu me dis, ouais, je crois que ça va pas trop bien se passer. J'ai pu jouer plus longtemps. J'arrive même à faire la fin. Tu sais faire le combo à fini? Non. Je savais faire quand j'étais. Bah, il faut justement pas enclencher ton combo. Faire à petite dose comme ça. Et là, t'arrives à les bloquer et ils meurent tout de suite. D'accord. Non, j'ignorais. Ah. Si t'as un. Les ennemis bien relous ici. Et alors, dans ce qu'on disait avant, Golden Axe et Altered Beast avant les années 90, hein, juste avant. Et dans les années 90, il sort un gros beat'em up. Allez, c'est quoi ? Mais c'est ce Streets of Rage, d'ailleurs. Ouais, mais avant ça. Attends, avant ça, ben. Avant ça, il y a Final Fight. Il sort en arcade. Ah, excuse-moi, je pensais que tu te focalisais toujours sur Sega. Mais non, justement, voilà, Final Fight sort en arcade, et si vous étiez déjà un joueur à cette époque-là, vous savez que Final Fight, il a vite été porté sur Super Nintendo, dans une version où il n'y avait qu'un seul joueur. Un seul joueur et un personnage retiré. Et un personnage en moins, ouais. Exactement. Et voilà, ça, c'est... Ça, c'est... Dans ma mouille. Tout en parlant. Dans ta couque, mon vieux. Et donc, quand il sort, le Streets of Rage, ici, on peut, je crois, y voir une réponse non seulement à Final Fight en arcade, mais aussi à Final Fight sur Super Nintendo. Donc, ici, comme on le voit, on peut jouer à deux. Soigne-toi, mon vieux. On peut jouer à deux, effectivement. Il y a trois personnages jouables. Et y a trois personnages jouables. C'est plus fluide, je trouve, un peu que. Enfin, voilà, maintenant, la version Super NES est sympathique, hein, mais. D'adversaires à l'écran, je joue, les persos sont plus petits. Ouais, ils sont plus petits, mais c'est pas non plus la version Game Gear ou Master System qui proposait effectivement des sprites assez. Mais clairement, assez restreints. C'est le jeu qui faisait barrer tous ceux qui avaient une Super Nintendo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais persuadé pendant des années que Street of Rage avait connu un peu le même cheminement que ma vie est basse, j'étais ici pour Europe, le même cheminement que Golden Axe avec un jeu d'abord sorti en arcade et ensuite porté sur la console de Sega. Et je n'ai appris que très récemment, en vérité, que non, c'est un pur jeu de Mega Drive, c'est une exclusivité de la console. Ouais, c'est ça. À mon avis, il est sorti sur borne Megatech en arcade après coup. Donc, la borne Megatech, c'est une borne avec une Mega Drive à l'intérieur. Oui, oui, je. Ben, c'est pas les bornes un peu comme les bornes de démonstration Nintendo, là. C'est un peu ça, où tu pouvais même payer les jeux. Ouais, tu pouvais payer les jeux au chronomètre aussi, quelquefois. C'est une autre époque. Bah écoute, je propose que... Là, on est sur une bonne lancée, je propose qu'on continue... On est bien on continue le troisième stage, hein. Petite virée à la plage, là, ça ne se refuse pas. Ce qui était chouette pour l'époque aussi, ça, c'était quand même pas assez souvent, c'est que... D'ailleurs, on a fait que deux stages, mais on a changé beaucoup plus souvent d'environnement. Pardon ? Avec la musique aussi qui change, honnêtement... C'est quand même grand. Ouais, c'est tellement moyen de s'en jaillir sur ces OST. Bah d'ailleurs, il y a fréquemment des concerts et des DJ sets, j'ai vu, qui sont axés autour de la musique de Street of Rage et qui sont souvent des événements officiellement organisés et sponsorisés par Red Bull, qui décidément s'investit quand même de plus en plus dans le milieu du jeu vidéo. C'est ça que tu me disais donc. Ouais, comme... Ah, j'avoue, t'es posé, pépère, pack, oui, pack, pack. Un bon rythme, là je vais pas faire. Ouais, t'en as plus besoin que moi. Ouais, t'en as clairement plus besoin que moi. Ouais, ça c'est beau. Alors, on peut faire des projections vers l'avant, vers l'arrière. Je peux même sauter au-dessus de l'adversaire. Je crois que c'est une fois que tu as projeté, que tu as attrapé l'ennemi pour une projection, tu appuies sur le bouton de saut. Et hop. Ah, voilà, c'est ça. Oh, bien. Et du coup, ça fait la petite German souplesse, effectivement, à la Guilée de Street 2. D'ailleurs, est-ce que c'est bien innocent ce nom de Streets of Rage?
C'est sûr que ça pouvait faire pour faire ça. Ils allaient pas se priver, quoi. Surtout que l'un comme l'autre, on est dans la bagarre, donc... J'ai cru que je t'avais chopé avec le tuyau. Tiens, prends le point, après. Merde. C'était joli, ça, Fab. Oh, sorry. Je t'invite à te heal. Tu sais en quelle difficulté on est là? Mais nous n'avons rien configuré, nous sommes dans la difficulté par défaut. Oui, je trouve que franchement on s'en sort pas trop mal là. C'est propre, 4 et 5 vies. Je trouve qu'ils sont pas si mal vieillis que ça, hein, les effets avec la pluie, là, c'est... Non, ça a un charme, hein. Mais globalement... Mais ça, je crois que t'as pas perdu de vie, là. À mon avis, tu peux taper, là, non? Ouais, tu vois. Ouais. Mais j'allais dire, je trouve que globalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses de la période des 16 bits qui ont très, très bien vieilli graphiquement, et qui montrent bien qu'on n'avait pas besoin de haute définition pour faire des effets sympas. Bien sûr, monsieur. Ça, je crois qu'il y a que Blaze qui fait ça, c'est faire un coup de cœur en arrière. Je m'attends. Sonic qui fait pas tout pareil. Ah bah, je... Tu sais pas, tu veux faire? Ah bah ouais, c'est plus je fais qu'avec Blaze. Oula, ouais. Oh là 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 là, c'est... Les deux en doré. Ouais, c'est ça, il y a quand même... Bon, attends, hein. Ouais, attends, mais... Appelez la police. Ça fait peut-être penser aussi à la magie dans Rebel Knight, tu vois. Oui, oui, effectivement. Si on joue à Golden Axe maintenant, enfin, si on vous mettait du Golden Axe maintenant, vous verrez quand même la différence. C'est largement moins fluide. Oui, c'est en fait. C'est beaucoup plus rigide. En fait, Golden Axe, j'en gardais un bon souvenir et j'y ai rejoué. Ben, je veux dire, avec la Mega Drive Mini, mais même un petit peu avant, j'ai essayé d'y rejouer quand j'ai configuré mon Raspberry Pi. Et en fait, le 3 passe encore bien, mais le 1 et le 2, effectivement, sont devenus plus rigide, ouais, moins agréable à parcourir. Moins mal. Voilà, on vient de faire 3 niveaux de Street of Rage. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce on n'a pas perdu de vie. On n'a pas perdu de crédit, en tout cas. Moi, j'ai perdu des vies, mais toi, tu n'en as... Tu en as perdu. On commence avec 3 vies ou 5 vies. On commence avec 3 vies de mémoire. Que fait-on? Bon, moi, je pense qu'on peut continuer avec le 2 maintenant. On va passer, effectivement, je pense, sur Street of Rage 2. Donc, voilà, ici... Ouais, désolé pour le menu d'émulateur, mais ne vous en faites on pas. Va cacher ça par c'est legit, c'est legit. Voilà. Hop. Streets of Rage 2. Sympa, que vous avez vous, pu la boîte, redécouvrir. Oui, je trouve que des trois, en fait, c'est ah, celle qui a le plus bel artwork. Ouais, mais, pardon. Les aléas de ce monde de respect. Pourrais-tu me passer la boîte de Streets of Rage 1 et la boîte de Streets of Rage 2? Voilà. Voilà, Genesis. Je trouve, effectivement, donc c'est une version américaine, Genesis ici, de Street of Rage 1 que nous avons. Moi, j'ai le jeu en PAL, mais en loose, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de montrer une cartouche en loose? C'est bien ce qu'il me semblait. Et je trouve vraiment ici, on pourrait aller les voir sur une lettre, hein, faire une petite recherche, mais je trouve que voilà, la jaquette de Street 2 est quand même plus sympa que la jaquette de Street 1, avec l'artwork en plein, sans le petit symbole ici des deux joueurs. C'est les petits détails à la con, hein, mais je trouve que l'artwork de plein pied ici a beaucoup plus d'impact. S'il te plaît, mon bon Space Cowboy. Et donc, Street of Rage 2, bah, lui par contre, j'y ai beaucoup rejoué récemment. Toujours avec la musique qui claque.
J'y ai beaucoup rejoué récemment, bah, grâce alors, à... Alors, ouais, quand même, bah, ouais, t'es passé vite, mais pour qu'on voit en dessous de l'écran Music by Yuzo Koshiro, oui. C'est vraiment que ça avait beaucoup d'importance. Quoi. Effectivement, c'était très très rare à l'époque déjà que les compositeurs utilisent leur vrai nom, et surtout, tu continues avec Blaze ou tu veux Axel? Ouais, bon, on va continuer avec la même team. C'était très rare déjà que les compositeurs n'utilisaient pas de pseudonyme, et en plus qu'ils soient... à ce point crédité et affiché quoi. Et ici, qu'est-ce qu'on voit directement? C'est que graphiquement, c'est beaucoup plus fin. Enfin non, paradoxalement, les sprites sont beaucoup plus grands, mais beaucoup plus fins dans la précision des pixels. Je trouve que les bruits des coups ont quand même plus d'impact ici. Tu prends, enfin, c'est mal ce que je veux dire, mais tu prends plaisir à tabasser les gens quoi. Et alors ici, petite nouveauté, hop, si tu fais une manip de dash avant, donc avant, et que tu frappes, tu vas réaliser un coup spécial propre à chaque personnage, et avec le bon timing, il y a moyen de le placer dans les combos, effectivement, histoire de laisser un peu de place à l'exé, ma gueule. Il y a toujours le coup avec les deux boutons appuyés qui sort un peu plus facilement, je trouve. Je te propose une pomme. Je vais prendre l'autre pour les points. Sinon, ça c'est comme le premier, on sait faire des coups de pied sautés qui vont renverser l'ennemi et un coup de pied sauté pour rebondir, enfin, disons, sur l'ennemi et voilà, comme ça, pour soit le projeter, soit le. Une technique qui marche très bien dans les Final Fight aussi, ça d'ailleurs. Ouais. Mais. D'ailleurs, ouais, ici on peut noter que l'attaque sautée de Axel porte beaucoup plus loin que dans le premier jeu. Dans le premier jeu, il mettait plus un coup de genou et là il donne vraiment. Un saut gros pied, dirons-nous. Et la musique, on voit que c'est un peu dans le même ordre d'idée, mais avec plus de pistes, plus de soins dans le mixage. Ouais, effectivement, comme on disait hors antenne tout à l'heure, il y a vraiment une patte propre à Street of Rage 1 et 2 qu'on ne retrouvera peut-être pas à l'identique, pas spécialement dans Street of Rage 3. Non, clairement. Si vous avez eu l'occasion d'écouter en stéréo, en plus, son est vraiment la peine, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, surtout sur ce premier en fait. Effectivement, ouais. Et, ah oui, petite précision, la police n'existe plus ici. Il n'est plus possible d'appeler la police, le bouton A devient ici une espèce de furie qui, un peu comme les coups spéciaux de Final Fight, qui eux se faisaient en appuyant sur saut et attaque en même temps, donc une pression maintenue, enfin une pression sur les deux boutons en simultané. Ici, c'est sur un seul bouton, et comme là, ça va retirer de la vie. Voilà, effectivement, j'allais dire si ça touche, mais c'est... un poulet là-bas qui t'attend. Oui, effectivement, poulet, piou piou piou. Voilà, on traîne, hein. On traîne, j'avoue. En même temps, je propose qu'on serre un petit peu la droite de l'écran, qu'on laisse un peu venir à nous, parce que... on perd pas mal de temps à attendre qu'ils reviennent. Il y a aussi dans le jeu. Ça marche aussi, ouais, dans le jeu. Ah, c'est une technique qu'ils ont reproduite parce qu'on avait des joueurs. Et donc ici, voilà, ça c'est vraiment une particularité de Streets 2 vis-à-vis de Streets 1. C'est dans un même niveau, on va passer par plusieurs sous-niveaux à chaque fois, qui n'était pas spécialement le cas dans le premier où on parcourait un niveau d'une traite. Voilà la balayette. C'est vrai que celui-ci est déjà plus sympa aussi à jouer, enfin l'autre est sympa aussi, c'est pas ça, mais avec le coup spécial
avec le DH, quoi, disons, genre de choses, ça change déjà beaucoup de choses au rythme. Oui, effectivement, et même les sensations de jeu, je trouve que les combos sont plus jouissifs, comme ça, tu te sens. T'as un impact des coups qui est déjà vachement mieux travaillé. Bah, on va couper court au suspense. Parce que Street of Rage n'est pas le meilleur opus de la série. Bah moi j'aime bien le 1 aussi, mais peut-être plus par petit côté de ça. Je préfère la musique du 1. Tout ça n'était pas très. Tout cela était très français. C'était pas très mitou, c'est déjà. Ah, tiens, Barman là-bas derrière. Ouf, ouais, j'ai pas pensé que j'allais traverser et que j'allais toucher avec le combo. Ouais, c'est super cri digit à chaque ennemi vaincu. Qui, pour la petite histoire, sont refaits sur une version Mega CD. En moche, en fait. Ah ouais, d'accord. Il y a une compilation avec Streets of Rage dans et Golden Axe et je sais plus quoi. Et les clips de Chris sont faits. Donc, quoi. Parce qu'on a un CD, tiens. Ouais, ils sont des copies. J'ai mal timé mon appui sur le bouton de saut. Ça rajoute une facilité et une difficulté supplémentaire, hein, n'empêche d'être en cop. Ça c'était beau, ça. Oh, le ralenti, quoi. Comme un stage, on m'emmène. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup de Street of Rage 1, c'est ses musiques, son ambiance, ses stages. Mais niveau gameplay, je trouve que le 2 est beaucoup plus agréable. Et tu vas tout de suite voir où je veux en venir avec ce teasing des enfers. Mais est-ce que ce serait pas génial de pouvoir jouer à Street of Rage 1 avec le gameplay de sa suite? Si seulement quelqu'un avait l'idée de faire ça. Je les entends, hein, peut-être. Merci. Mais j'oublie tout le temps. Tiens, monsieur Sega, dites-moi. Ça sent la colle. Je disais donc que je trouve que Streets 2 serait... c'est toujours très dur de dire Streets 2. Quand tu dis ça, tu penses d'office à un autre jeu. Donc voilà, moi je considère Streets of Rage 2 comme le meilleur opus de la saga. Mais est-ce qu'il serait carrément le meilleur beat'em up de la Mega Drive? La Mega Drive, moi je pas de parce qu'il y a comme concurrence finalement, comme bonne concurrence. On a les Golden Axe, comme on a dit, c'est un petit peu. Il y a Comic Zone qui est très chouette. C'est une autre approche, mais il a son charme et il a un feeling d'impact dans les coups assez proche de celui-là de... Je t'en prie, Fighter. Eh bien, as-tu déjà essayé? Parce que, voilà, c'est un... Voilà, on va faire un peu leur sujet. Quel serait pour toi le meilleur beat'em all de la Super Nintendo? Ouais, c'est... Est-ce que tu es au courant, oui c'est exactement ce que j'allais dire, qu'il existe un jeu Tortue Ninja par Konami, beat'em all lui aussi de son état, beat'em up, beat'em all, voilà, le débat n'est pas là, sur Mega Drive. Oui, je vais retrouver son nom. Hyperstone Ace, oui. Y as-tu joué? Je crois que oui, si je me souviens bien, c'était un peu plus... Il y avait moins d'effets que sur Super Nintendo, c'était peut-être un peu plus linéaire, non? Ouais, effectivement. Malheureusement, on aurait pu penser qu'on aurait là un concurrent assez respectable, mais... Mais c'est vrai qu'il est... Ouais, il a mérité d'exister quand même. Ah, c'est con, j'aurais bien eu besoin de cette pomme. C'est dommage. Ah, c'est ballot, Madame Chambier, c'est ballot! À 3 francs près, la valise RTL, Madame Chambier! Un bon bout de poulet là.
sur les autres vont arriver. Ah, ben oui. Parce que c'était pas un peu un de ces horribles stages sur le principe de l'ascenseur qu'on vient d'avoir là. Il y a un vrai stage d'ascenseur. Dans oui. L'un ou dans le deux. Ou dans les deux. C'est quand même un passage obligé. C'est un passage obligé du beat'em all. Du beat'em up. Ah, j'aurais tendance à dire beat'em all. Ouais, bah, les disent, ouais. Hop, je prends une pomme. Prends l'autre. L'argent. L'argent des abonnés. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que les adversaires ont déjà plus de patterns d'attaque. Oui, et notamment avec les balayettes qui sont très très casse-couilles. C'est là qu'on se dit qu'avoir un bouton de garde, ça aurait même pu être sympa. Est-ce que ça existe, hein, des beat'em all avec une garde? Mis à part tout ce qui est plus beat'em all 3D à la Devil May Cry, bien sûr, mais... je me souviens que ce boss-là, c'est une vraie plaie. C'est vrai qu'il est pas facile à shooter. Ouais, voilà, merci. Je me demande si tu vois le... Scott Pilgrim. Versus The Wild Doll. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas... C'est bien possible, tiens, mais... Faudrait que je le re-shop, je l'avais... C'est pas courant, hein. Mais il est plus shoppable, je pense, le jeu aussi. Il me semble qu'il y a une histoire de droit, ouais, de licence, qui fait que... Oh, mais... Tu t'amuses, hein. Ouais, tu parles. Là, je suis en train de passer un mauvais moment, même, je t'avoue, parce que je trouve que c'est un peu comme le boss mouche dans Turtles in Time. Mais il faut peut-être attendre un accident dans le sol. Alors, ah, c'est bon. Bien joué, ma gueule! Voilà. C'est pas des jeux super difficiles non plus. Non, c'est non, enfin, en tout cas, pas dans le premier stage. Je trouve que Final Fight est plus difficile dès le début. Oui, quoi. Oui, c'est certain, c'est certain. Mais c'était parce qu'il est sorti en arcade et qu'il fallait bouffer des pièces. Ah, c'est vrai que ça change beaucoup de choses ici. Ah, nous sommes à Disneyland. C'est joli aussi, hein. Avec les différents plans. Avec les différents plans, ouais, effectivement, les scrolling indépendants les uns des autres. Et donc, tu as joué à Streets of Rage 4. Et jusqu'ici, duquel des deux jeux auxquels nous sommes en train de jouer ce soir, as-tu plus retrouvé le feeling dans le 4? Ah, c'est plus du 2, ça c'est clair. Mais même peut-être plus du 3, si on va aller. Ils ont quand même utilisé des éléments de chaque épisode. Est-ce qu'il y a par exemple la possibilité d'utiliser la furie, hein, comme dans le 1, avec l'appel de la police? T'as le dash, mais je crois qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas la police. Je crois que la plus grosse influence, ben c'est normal, hein, c'est celui qui a le plus marché sans doute, c'est le 2. Mais il est plus souple que le 2 aussi, il est plus rapide. Et alors, ce qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais... parce que ça c'est moins dans l'esprit, mais je trouve que ça fonctionne tellement bien. Il y a beaucoup de juggles quand même, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de juggles, ça marche super bien. Et quelques coups spéciaux qui sont bien mis en scène aussi. Ouais, c'est un jeu moderne, tu vois, qui dénature pas la série. Mais en même temps, après il faut aimer le design, moi je trouve qu'il est super, mais il faut aimer. En tout cas, je suis moins dérangé à niveau production de Temu par le design qu'ils ont choisi pour Streets of Rage que par celui-là qu'ils ont choisi pour Windjammers, figure-toi. Windjammers, ça va peut-être encore plus loin dans le style, on va dire, Flash, hein, même si c'est... Ouais, mais c'est vraiment ça, sans vouloir être méchant, je trouve qu'il a une gueule de jeu Flash, en fait, de ce qu'on en a vu pour le moment
En tout cas, une direction artistique de jeu Flash. En tout cas, il se jouait très bien aussi, hein. Oui, James. Oui, juste, tu as pu l'essayer aussi. Et c'est vrai que quand tu parles avec les développeurs, c'est des gens qui connaissent vraiment bien les jeux, les Streets of Rage, je crois, et qui ont vraiment envie de bien faire, c'est évident. D'ailleurs, quand on voit, enfin, ouais, si ce n'était pas des passionnés, ils n'auraient pas justement été chercher Koshiro et tout ça. C'est ça. Donc, je crois qu'ils sont quand même sûrs de leur coup. Mais je crois que si c'était pas des passionnés, ils auraient pas voulu faire un Street of Rage 4. Non, mais tu peux. Ouais, c'est vrai qu'au niveau commercial. Ils auraient fait leur propre beat'em all. Au niveau commercial, c'est vrai que ça fait un nom en plus, quoi, disons. Mais il y a une attente des fans incroyable, donc c'est vrai que t'as le risque de les décevoir. Enfin, ah ouais, effectivement. Jab, jab, jab. Aïe, ça c'est dans ma couche. Je crois que là, vu ce que j'ai déjà vu, et c'était à la Gamescom. Moi, de tout passé, le jeu était déjà bien comme ça. Je crois qu'ils peuvent plus le rater. Donc, et les persos que j'ai vus, je sais plus comment ils s'appellent, mais une fille avec une guitare, qui s'est dessus avec la guitare, c'était super aussi. Vraiment, c'est super. Le nouveau perso du roster, il me semble. Super d'ailleurs. Ajout, quoi, vraiment. Et la musique, encore ici. Et graphiquement, moi j'aime bien, donc ça me dérangera pas. Je pense vraiment qu'il y a. Que rien ne peut mal se passer. Et c'était largement plus dynamique encore que celui-ci. Quoi. Plus dans la veine du 3. Du 3 qu'on va lancer après ce niveau-ci. Je crois qu'il y a aussi un truc d'esquive, si ma mémoire est bonne, comme dans le 3, justement, une sorte de dodge. Quoi, tu vois. Le truc, c'est que je crois, à mon avis, c'est possible d'attirer des nouveaux joueurs dans la série aussi. Quoi. Ça avait fait un truc vraiment hyper rigide qui aurait été peut-être un tout petit peu plus fidèle, même si ça l'est. T'aurais jamais attiré de nouveaux joueurs. Ici, ça me semble possible quand même. Ouais. Et je me demande si le choix aussi du style par rapport au pixel art, ça pas de ça aussi. Quoi. Sans aucun doute, oui. Donc ici, on est de retour vers le scrolling parallaxe. Alors qu'on vient d'affronter un duo de Bimbos. Quoi, les niveaux sont vraiment beaucoup plus longs que dans Street of Rage 1 et passent par plusieurs zones à chaque fois avec bah, quelque part un peu leur propre mini-boss. C'est vrai qu'ils ont mis pas clair dans ce jeu, clairement. Tu m'as eu avec, ouais, mais bon, c'est pas bien grave. Je pensais que ça allait lancer. Oui, mais il faut faire comme pour faire l'attaque vers l'arrière, mais avec le couteau équipé. Décidément, ce Friendly Fire. Ouais, je veux dire que les persos sont gros aussi. Moi, je vais ça dans la gueule. Allez, pressing ici, au coin. Et cette zone qui est tellement chelou. Celle-là, je la trouve un peu bizarre. Vraiment hors sujet, quoi. Oui, pour oui, vraiment. Même si bon, hors sujet, dans un stage qui a un parc d'attraction, ouais, ça passe encore, mais. Oh, en fait, ça me rappelle un peu dans. C'est dans Metal Slug 2 ou 3, les aliens. Dans le 2. Oui. Ah, ouais, alors. Je viens de lancer mon petit bon. C'était comme ça. C'est toi qui as dit comme un con, j'aurais pas dit mieux. Et là, je crois que t'as pas perdu de la vie, là. J'ai perdu de la vie, là, ouais. C'est pour la bonne cause. C'est pas bien grave. Et alors, si on était fort aussi, à mon avis, il y a un timing que j'arrive pas à faire.
quand on te projette, si tu fais le bouton de saut, oui. Ah, écho. D'accord, c'est ça, alors peut-être tantôt je l'ai raté, parce que moi je vais me contenter de sauter. Ce qui, dans le 1, fonctionne en tout cas. Voilà, le boss le plus chaud du jeu. Qui a rien à voir en plus. Ouais non j'avoue Et du coup Shinobi, on retrouve Shinobi, bah tiens quelle belle transition C'est quoi ton actu pour le moment sur le site dis-moi. Je me suis fait un petit très très beau avec les Sega Edges sur Switch. Avec ouais. Shinobi, le premier Shinobi qui est fait tiens. Par Studio N2. Et c'est super. Si vous avez. Soigne-toi. 6 balles, c'est honnête, hein, franchement. Parce que va trouver une version Master System de Shinobi à 6 balles, bonne chance quoi. Là, c'est la version en plus, c'est la version arcade. C'est la version arcade. Donc, c'est une meilleure version que celle qu'elle dure à trouver. Ouais, mais enfin bon. Elle a son petit mérite hein, sur Master System. Bah, c'est un très beau portage avec plein d'effets. Visuel, plein de filtres, un filtre vintage, ils appellent ça, qui donne bien, pour une fois, avec des belles scanlines. Et un mode Aegis, ils appellent ça, qui va te donner plein de petits bonus de force et tout ça. C'est un petit peu la particularité des portages actuellement de la gamme Sega Aegis, voilà. Où en général, tu as le mode le plus fidèle possible, et un mode Aegis qui rajoute des features, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et là, ça va te permettre d'aller jusqu'à la fin. Une dash dans Sonic 1, ouais, effectivement. Est-ce que... C'est même rembobiné le jeu, enfin, c'est la brutale, quoi. Oui, j'ai vu que Puyo en plus et en abuse, d'ailleurs. Bah, c'est vrai que c'est sympa, parce que c'est un jeu tellement punitif, que c'est un peu ce que je me suis dit. Si on n'est jamais arrivé en 30 ans à le finir, on ne l'aurait jamais fini de notre vie. Donc si ça m'a permis de voir la fin, moi-même. Ah. Et c'est bien, parce qu'il y a un vrai équilibre. Si tu veux jouer vraiment en tant que puriste, il y a moyen de le faire aussi. Il y a même moyen de mapper une touche sur l'attaque au corps à corps. Pour le finir avec le super bonus, si vous connaissez Shinobi, c'est ça. Faut pas lancer de Shuriken si vous voulez avoir les gros bonus. Et si je me souviens bien, cette attaque ne se lançait que si les sprites ennemis étaient à une certaine distance. Ouais, c'est au corps à corps, vraiment. Sinon, tu lançais ton Shuriken et tu perdais le bonus de fin de niveau. Non, c'est super. Vraiment, encore une fois, si vous aimez bien. Si vous aimez Shinobi, il n'y a même pas de questions à se poser, vous pouvez l'acheter. Si vous n'aimez pas Shinobi du départ parce qu'il était trop difficile pour vous, c'est l'occasion de le faire. Et si vous n'aimez pas Shinobi du coup, non, ça ne sert à rien. Ah, regarde le stage précédent qu'on appelle ça dans le fond. C'est cool, hein. Non, mais c'est vrai qu'on ne le dit pas ici, mais techniquement, c'est vraiment incroyable hein, pour de regarder. Ça peut certes paraître un petit peu ouais, dur à dire que c'est incroyable à notre époque, mais voilà, franchement, le jeu, il est propre, quoi. Hyper cool. Aussi propre que ce coup de pied dans ma gueule. Mais si tu veux passer à la suite, tu peux, hein. Eh bien, je peut-être couper avant que tu voulais. Je propose, effectivement, je propose que nous passions à Street of Rage 3. Alors, donc, hop, je quitte ici le jeu pour passer sur sa suite. Voici, voilà. Et là, bah, vous ferez votre propre avis sur la qualité de l'artwork, mais bon. Alors, voilà. Je vais être sincère avec toi. Voilà. L'arrière, c'est peut-être encore plus beau. Il y a, effectivement, l'arrière est plus beau, effectivement. Bah, c'est pas tout. Voilà, je vais être honnête avec toi. Il y a ce qu'on appelle un peu le marché de la reproduction, de la repro ou de... Du pas bien, des fausses du cassettes Mega Drive sur AliExpress. Peu, comme on a, ouais. Voilà, effectivement. Eh bien, quand je suis tombé, quand j'ai découvert un peu cette espèce de commerce sous le manteau, voilà, je pensais sincèrement que c'était une fausse jaquette, que c'était la jaquette de la contrefaçon. C'est nul, hein. Ouais. Regarde sur la cartouche ici, c'est tout aussi. Avec un personnage que je pense qu'on est d'accord qu'on ne jouera pas. Le cyborg ? Ouais. Non, ça va.
Et bien voilà, donc... Et voilà la musique, ouais, voilà. Ouais, effectivement, il y a déjà un changement d'ambiance, hein, un changement d'ambiance assez radical. On va laisser tourner ici la démo de petites minutes pour que vous puissiez vous en rendre compte avant de nous entendre déblatérer tout du long. Parce qu'après, il est beau. Ah ouais, c'est clair. Il est beau, il a... Il a des couleurs un peu plus bizarres que le 2, mais il est beau. Un peu plus flashy. Allez, c'est parti, Street of Rage 3. Berkenekele, suis. Ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est qu'il y a toujours sur les... Sauf dans le 1, je crois. Un mode, il n'y a pas dans versus. Le 1, effectivement. On peut tenter un versus par après. Tu veux jouer qui? Tu veux jouer Axel une fois? Tu gardes Blaze? Bon, écoute, je propose qu'on achève sur notre lancée. Hein, petite cinématique qu'il n'y avait pas spécialement dans les opus précédents et qui me fait penser un petit peu à Final Fight, justement. Ah ouais, c'est ça, l'écran de Game Over. L'écran de Game Over. Allez, c'est parti. Apparemment, il est un peu plus scénarisé que les deux autres, mais je crois que tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Ben, c'est ça. On joue à Street of Rage pour... Ben, déjà ici, voilà, il y a une nouveauté qu'on peut montrer, on peut courir. Donc en faisant deux fois avant, un peu à la coffe, nos personnages vont se lancer dans une course. Ça change complètement le rythme du jeu. Et alors, il y a en haut une jauge à côté de chacune de nos barres de vie, avec un petit logo OK. Quand cette jauge est pleine et affiche le logo OK, on a droit à une attaque gratuite sur le bouton A. Donc c'est-à-dire que si tu utilises ta furie, donc le bouton A, quand cette jauge affiche OK, tu ne consommeras pas de points de vie pour la lancer. C'est la petite particularité du 3 qui fait que je trouve le gameplay super bien foutu. Par contre, j'ai l'impression que c'est super dur. On se fait rosser. Bah, on est voilà. Ici sur la version américaine et tu me disais qu'apparemment... La version américaine ? C'est la version européenne qui est super dure. C'est... Déjà, celle-ci n'est pas facile. Quoique non, ce serait peut-être bien la version européenne, effectivement. Non, c'est... La version européenne a été... C'est le 1 que j'ai... Que la version que j'ai est américaine. Donc... Et je crois que c'est ça, parce que dès le premier niveau, là, il y a plein de personnages, plein d'adversaires d'un coup. En tout cas, la version est plus difficile qu'au Japon, là. Comme si les joueurs japonais étaient moins bons que les européens. Alors qu'en général, en général, c'est plutôt le contraire. On a des versions simplifiées chez nous. Alors, c'est honnêtement, c'est presque désagréable à difficulté déjà. C'est dommage. Après, voilà, on a lancé le jeu sans rien aller chipoter. Évidemment, possible de, comme dans les autres épisodes, modifier la difficulté, le nombre de vies, ce genre de petits détails. Cette jauge de OK, elle se recharge avec le temps, mais elle se recharge encore plus, elle se chargera plus vite en fonction de vos performances au combat. C'est une petite mécanique jeu de baston qui n'est pas pour me déplaire. Non, mais encore, il n'y a pas grand chose à dire sur le gameplay, c'est encore plus... Ah, regarde, il y a ça aussi que j'avais à dire. Ce que je disais, le nouveau. C'est un plaisir. Tu vois la musique, hein, quand même. Ouais, j'avoue, on a plus l'impression d'être dans une boîte obscure du côté de Berlin. Je trouve qu'on a perdu vraiment tout le côté funky des deux premières rues. Mais je suis pas Yuzo Koshiro, donc voilà, respect quand même. Voilà, après, peut-être est-ce une volonté particulière du compositeur, hein. Et la BO est la même sur toutes les versions, ou elle change Yuzo Koshiro a invité ce aussi, hein, c'est aussi et surtout Yamane 15 Lee. J'ai l'occasion d'écouter cette vidéo là, c'est incroyable. Et c'est ça, tu savais peut-être pas, ça fait pas longtemps que je le sais, c'est Sonic sur Master System. Ah non, j'ai ça. D'accord. Sonic, pardon. Qui est très chouette en effet. Mais je trouve que les Sonic de la Master System sont de très chouettes jeux parce que c'est des Sonic, mais autres. Ils sont vraiment. C'est pas des portages. Non, c'est pas des portages. Alors que je pense que plein de gens, si ça tombe, sont complètement passés à côté de ces versions en pensant avoir droit à juste la version 8-bit du jeu 16-bit
Alors que non, ce sont vraiment des jeux à part entière. Le jeu apportait beaucoup aussi, même dans la série, avec des véhicules. Très je me souviens du Delta Plane, effectivement. Ben voilà, tu as déjà perdu un crédit. Je me change de perso. Ben, je vais prendre le signe. Je sais pas ce qu'ils ont pris chez Sega, mais apparemment c'était de la bonne quand ils ont inventé ce personnage. S'il y a même pas, si encore il faisait un peu qui rappelle tel perso de tel jeu ou quoi ou qu'est-ce. Non, même pas, c'est juste. C'est une espèce de cyborg tortue géniale dégueulasse. Je pense que puisque ma joue qui est à fond, là j'ai une main. Alors, effectivement, il me semble de mémoire que tu infliges plus de dégâts quand ta jauge OK est active, mais après tu as également l'avantage non négligeable. Putain, j'ai voulu le projeter, il était trop lourd et je suis tombé. Eh ben, je vais pour une fois prendre Blaze, tiens. Ouais, qui sont parmi les pires ennemis de la licence, je trouve. Tu as une espèce de talon roller, c'est oui, super c'est... chelou. En fait, je le dis pas pour faire une transition vers le petit bonus qu'on vous réserve pour la suite du stream après une petite page de pause. Mais en fait, voilà, niveau gameplay, j'adore ce Street of Rage 3. Mais par contre, pour ce qui est de son ambiance globale, je préfère l'ambiance du 1 et du 2. Clairement. Si vous passez sur notre compte Twitter, on a aujourd'hui, ce matin, on a republié une vidéo des créateurs de Streets of Rage 4 qui parle justement de ça et je trouve qu'ils ont complètement de raison en disant que Streets of Rage c'est vraiment un mélange de tout. Quoi. C'est le gameplay, la jouabilité, tout ça. La musique et les graphiques. Et c'est vrai que dans celui-ci, il y a quand même quelques petits trucs qui font de l'âge. Moi, la musique, je trouve vraiment. Les graphismes qui sont un peu plus grossiers, voilà. Tu peux dire autrement, un peu plus vulgaire. En fait, je trouve que tu mets quelqu'un devant Street of Rage 1 et 2, il va dire ça, c'est Street of Rage. Tu mets quelqu'un devant Street of Rage 3. Déjà, simplement avec. Regarde, tantôt je jouais Axel, le costume d'Axel dans cet épisode-ci. Je pense qu'il y a de fortes chances que tu mets. Quelqu'un qui ne connaît pas Street of Rage 3 devant Street of Rage 3 en screenshot, hein, pas en mouvement, encore que tu le lances dans le jeu sans qu'il ait vu l'écran titre, il va peut-être se dire que c'est un beat'em up, un beat'em all générique. Comme un peu plus. Voilà, voilà. Un peu comme ceux qu'on trouvait par dizaines sur Super NES, en arcade. Certains de la Neo Geo, malheureusement, avaient des petites gueules de jeux génériques. Hein, Mais en plus, regarde, on parlait tantôt des parallaxes et parallaxes. Là, on dirait le fond d'un vieux jeu de course, quoi. Ouais, d'un mauvais portage d'Outrun. C'est un peu dommage. Le plus dommage en plus, c'est que si vous voulez les acheter sur votre Mega Drive, c'est celui qui va coûter largement plus cher. Ouais, parce que moi ici j'ai racheté récemment Street of Rage 1 sur Mega Drive, je l'ai acheté en loose pour 7€. Ouais, franchement, à ce prix-là, c'est que du bonheur quoi. Dans le 1 et le 2, en bonne boîte, en bon état, c'est pas bon. Mais figure-toi que, à mon avis, le 2 sera une de mes prochaines acquisitions sur Mega Drive. Même si bon, officiellement le jeu je le possède, hein, étant donné que j'ai la Mega Drive Mini et que j'ai la compilation trilogie de Street of Rage sur. Oh, décidément, désolé, je pensais essayer de le récupérer après. Et la trilogie donc sur Xbox 360. Avec les fameux filtres dégueulasses habituels. Voilà, d'ailleurs, moi personnellement, je n'ai jamais compris l'intérêt des scanlines parce que je trouve que ça ne restitue pas l'effet des écrans d'avant, ça rend les jeux plus moches qu'avant.
que c'est quelquefois mieux fait. Ça a tendance à assombrir trop l'image, moi je trouve. Je suis entièrement d'accord. Si vous êtes pété de tout là, vous pouvez vous acheter Mega SG. De chez Analog, effectivement. Voilà. C'est dans les 200 euros, je crois. Sans les frais de port. Effectivement, il me semble qu'elle est dans ce prix-là. Elle est, en gros, elle est au prix de la PS4 actuellement. Voilà. Et là, vous pouvez avoir des filtres, des belles scanlines avec. Ils font une correction de gamma, ils appellent ça. C'est la luminosité qui est bien corrigée. Et là, c'est vraiment autre chose. Il faut vraiment payer le prix. Ça se branche en HDMI. Ça se branche en HDMI, ça c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire. Mon anniversaire c'est dans 4 mois. Voilà. Ça j'aurais tout dit. Voilà, parce que voilà, effectivement, on va lancer une campagne Kickstarter. Pré-start, voilà. Petite levée de fonds, perso. Voilà. Offrez une analogue à notre rédac chef. Et ça fait un bonus de karma pour ta prochaine vie, incroyable. Prends-le, je me suis fait avoir. Il y a deux prêts. Sinon, il est vraiment plus dynamique que les autres, hein, encore. À ce niveau-là, il y a encore une belle évolution, mais il y a quelque chose qui manque. Ouais. On a perdu l'âme pour avoir, certes, peut-être un meilleur jeu, mais même moins beau. Enfin, ouais. Artistiquement, c'est littéralement un gros mot. Bon ben, je propose qu'ici on aille jusqu'au bout des crédits, hein, vu que ça risque d'aller très très vite. Ben, tu vois, pour moi ça c'est pas Axel, c'est un connard et c'est Brice de Nice, toi, tu vois. Quoi ? La musique est franchement d'être abominable. Ah, on l'a eu juste au moment où je mourrais ? Oh mon dieu ! Est-ce que j'ai perdu ma vie ? T'as perdu ta vie ! Merci. J'ai fait ça un double stage 1 clear, on a plus de crédit, hein. Presque tout beurré, c'est vraiment bien plus difficile. C'est quand même dingue. Par contre, vous voyez des petits écrans, des petites cinématiques fixes, quoi, mais... Qu'on a vite fait de passer, hein. Ah, ce morceau-ci, je le trouve qu'il est un peu dans la veine à l'ancienne, ouais. Je l'aime beaucoup, celui-là, d'ailleurs. Par contre, j'ai l'impression que les passages avec les motards sont encore plus pénibles que dans le 2. On a l'air dans les gerbes qu'on saute moins haut. C'est un peu bizarre, je trouve, d'avoir fait ton premier niveau moins beau que le deuxième. Parce que traditionnellement, c'est quand même là-dessus que tu vends ton jeu, une sorte de track mode comme en arcade. À l'époque, on a tiré ces vidéos dans les grands magasins qui disaient tu voyais le premier niveau en niveau. Ben bah ouais, c'est certain. J'ai repensé, cet après-midi, tiens, j'ai repensé à l'époque où on achetait nos jeux plus dans des grandes surfaces ou des magasins de jouets que des boutiques spécialisées. Et une époque où tu pouvais, si t'aimais pas ton jeu, t'allais avec ton ticket de caisse et. Le jeu vidéo n'était pas perçu comme aujourd'hui, il n'y avait pas le piratage comme on peut l'avoir aujourd'hui. Tu pouvais tout à fait, je m'en souviens, ceux qui suivent l'actu du site ont pu voir notre test Dragon Ball Z Kakarot, un jeu que je n'ai vraiment pas aimé d'ailleurs, hein, voilà, même si j'avais envie d'y croire au début avec son fanservice. Et j'ai repensé effectivement à l'époque de la PS2. Après les Dragon Ball Z Budokai 3, sont sortis la série des Budokai Tenkaichi. Et je me souviens que j'avais acheté Budokai Tenkaichi 1 en sortant de l'école à 13h. Je suis rentré chez moi, j'ai lancé le jeu, j'ai vraiment pas aimé. Parce que le changement de gameplay vis-à-vis de Budokai 1 était beaucoup trop brut, je trouve. Et je n'accrochais pas du tout à ce qu'il me proposait. Et c'est la dernière fois en ma mémoire que j'avais pas un jeu. Je suis retourné 2 heures plus tard avec mon ticket de caisse et je me suis fait
échanger mon jeu contre, je sais plus ce que j'avais pris, mais en tout cas, ah, les kangourous, effectivement, dont tu me parlais. Alors, c'est un perso débloqué, je te laisse partir. Et voilà, c'est la dernière fois que j'ai le souvenir d'avoir pu profiter de ce qui est, en fait, un petit peu un droit légitime du consommateur, hein, de l'acheteur, mais qui a tendance à disparaître de plus en plus des conditions générales de vente pour tout ce qui touche aux jeux vidéo. Non, mais c'était vraiment pas bien, les Tenkaichi. Je comprends pas l'oracle de ces jeux, alors que y a rien dedans, quoi. Si, il y a tous les persos à chaque fois. Mais il y a tous les persos, mais à côté, il y a rien pour jouer, quoi. Je comprends pas la logique, en fait, du public Dragon Ball. Parce que quand tu vois Dragon Ball FighterZ qui a été très très mal reçu par la communauté des fans de Dragon Ball, parce que c'est jamais qu'un vulgaire clone de Street Fighter, d'après leur dire. C'est un boss en fait. J'ai l'impression que ça. J'ai l'impression qu'on va mourir, mon ami. Voilà, moi c'est ma dernière vie. T'as peut-être encore un crédit ou pas, je ne sais plus. Mais bon, on voit les vies, mais pas les crédits. Le Tatsuma Kid Roger. Roger, le kangourou de Tekken, hein, c'est bien connu. Mais ici, il s'appelle Roux. Roux le kangourou. C'est vrai que la course, elle est sympa. J'ai l'impression de me faire bolosser par mon employeur. J'ai l'impression que les boss sont un peu plus exécapérés que... Oui, complètement. Que dans les groupes. Ou alors, c'est peut-être qu'ils ont mis la sauce aussi dans la version européenne, j'en sais rien. En tout cas, c'est moins rythmé. Voilà! C'était même pas le boss du stage. Elle dansait, c'était un peu tranquille. Voilà, tu veux. Moi! Franchement. Ici, c'est la mandale ou rien, mon gars! Par contre, là, j'avoue que les effets stroboscope et tout, ils sont vraiment cool, hein. Ah, ben voilà. Ah, ben non, je pourrais continuer. Attends, je me fais plaisir. Voilà. C'est pas possible. Et ben voilà, on va marquer une courte page de pause. J'espère que ici, ce que vous avez vu déjà pour le moment vous a plu. Et on vous garde une petite surprise. Après donc avoir être revenu, c'est très français. Ouais, voilà, la team correction grince des dents. Après ce petit retour sur la trilogie Street of Rage, on va marquer une courte page de pause et on va revenir avec un petit jeu surprise. Surprise. Non, dis pas trop.